Les informations en bref pour ce dimanche 18 juillet, bonsoir. Le haut commissaire sri-lankais aux Seychelles a déclaré que son pays faisait de son mieux pour arrêter la pêche illégale. Il réagissait à la demande de la SBC concernant le nombre de navires de pêche sri-lankais pris en train de pêcher illégalement dans les eaux seychelloises. Le haut commissaire sri-lankais a déclaré que son gouvernement était conscient de la situation et travaillait sur un projet visant à mettre fin à la pêche illégale. Un groupe d'étudiants a reçu leur certificat pour avoir participé à un programme de 21 sessions intitulé Préparer au travail. Ces étudiants ont suivi le programme Développement des compétences à l'Institut Guy Morel, un programme offert par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Ils ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie en présence de la ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Fancourt, des personnels du service d'emploi et du personnel de l'Institut Guy Morel. Le ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce et la Banque centrale ont lancé une série de campagnes de sensibilisation pour tenir les parties prenantes informées du programme de réforme économique du gouvernement des Seychelles avec le soutien du Fonds monétaire international, le FMI. Ils ont accueilli des responsables des maisons de presse lors de la première réunion, ainsi que deux participants de la commission des médias des Seychelles. La deuxième réunion a réuni des membres de la société civile représentés par la Citizens Engagement Platform Seychelles, CEPS, ainsi que la Transparency Initiative Seychelles. Les membres du secteur privé ont également été informés du programme de réforme économique lors de la troisième réunion tenue le vendredi 16 juillet. Les trois réunions ont commencé par une présentation des objectifs et des résultats finaux des réformes, suivies de questions et de clarifications des participants, alors que les trois groupes ont demandé des éclaircissements sur des questions spécifiques liées au programme de réforme économique. Ils ont tous fait écho au souhait d'être pleinement engagés dans le processus. C'était les informations en bref. Merci de votre attention.